Bonjour, j'espère que vous allez bien. On ne se connaît pas encore. Je m'appelle Benjamin et je vais remplacer Romain pour cette fin d'année et normalement aussi pour l'année prochaine. Cette vidéo concerne les tubistes des classes de CE2 et ce que je vous propose, c'est de travailler le numéro 21 de votre cahier. Alors je vais vous jouer les trois premières mesures et après, on va voir ensemble comment les jouer. Avant d'expliquer des notes, pour qu'il n'y ait pas de malentendus, je vais rappeler les pistons. Celui-là, c'est mon premier piston. Le premier piston, c'est toujours celui qui est le plus proche de moi. Donc ça vaut pour vous. C'est votre piston qui est le plus proche de vous. Le premier piston. Ensuite, le deuxième. Et le troisième piston, bien sûr, c'est le piston qui est le plus éloigné de vous-même. Alors, cette première note. J'ai fait une ronde qui dure 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et j'ai fait un Fa. Pour jouer un Fa, il faut quand même pincer un peu les lèvres et envoyer de l'air rapide. On essaie de faire le Fa ensemble sur 4 temps. Donc 4 temps, c'est 1, 2, 3, 4. On essaie ensemble? 1, 2, 3. Voilà, ça c'était le Fa. Première mesure, on a déjà fait la première mesure. Deuxième mesure, j'ai fait 4 mi. Mi, 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 mi. Le mi, on le fait premier et deuxième piston. Et comme c'est des noirs, elles sont détachées, on remet là un petit peu la langue, on fait des tu. Tu, 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 tu dans l'instrument. On le fait ensemble avec le métronome. 1, 2, 3. Et la troisième mesure, j'ai fait un ré. Ré. Et qui dure 4 temps comme la première mesure. Ré. On le fait ensemble? 4 temps. 1, 2, 3. Donc là, on a déjà les trois premières mesures. Je rappelle juste. Rond, 2, 3, 4, noir, 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 noir. Rond, 2, 3, 4. Une ronde, 4 noirs, une ronde. Un Fa, des Mi, un Ré. Ensuite, on ne joue pas pendant une mesure, c'est-à-dire que l'on va compter 4 temps. Donc je finis mon Ré. Ré. 1, 2, 3. Et ensuite on joue. Et on compte pendant 4 temps. On essaye ça avec la mesure en plus. On fait du début et on rajoute la mesure où on compte. 1, 2, 3. Je vais vous jouer une fois, donc le morceau dure 6 mesures, sans compter les reprises bien sûr, que on va voir ça juste après. Le morceau dure 6 mesures. On a vu 4 mesures, il nous reste 2 mesures, et je vais vous jouer ce qui nous reste à travailler. 1, 2, 3. Alors, j'ai fait un Do, j'ai fait deux Mi et j'ai fait un Fa. Donc le Do sur deux temps. Une blanche. Do, stop. On essaye ensemble. 3. Encore. 1, 2, 3, 4. Voilà, pas plus long. Do, stop. Ensuite, il y a deux Mi. Mi, mi. Donc si je mets le do juste avant et les demi. Encore une fois, 3 et. Ah,
Et ensuite, il nous reste une note. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est la même note que la première note. C'est la première note et la dernière note sont les mêmes. On peut faire ça. C'est un Fa. Sur 4 temps, c'est une ronde pareille. On se refait un petit Fa sur 4 temps. 1, 2, 3. Et là, on a vu tout le morceau. Je vais vous refaire quand même les deux dernières mesures ensemble que vous pouvez faire avec moi. Donc je rappelle Do, Mi, Mi, Fa. On fait ensemble et après on va tout faire. 1, 2, 3. Voilà. Alors, ce morceau-là, on va le jouer en entier. Je rappelle Fa, Mi, 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 Ré. On compte 1, 2, 3, 4. Do, Mi, Mi, Fa. Et là, il y a une reprise. On retourne au début et on refait une fois le morceau. Fa, Mi, 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 Ré, etc. On essaye ensemble, on fait deux fois le morceau. On va le jouer ensemble. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Vous pouvez revenir en arrière, recommencer plusieurs fois ou essayer de me rattraper. Je vais faire deux fois le morceau. 1, 2, 3. 3. Et là, on a fini. Voilà. Pour résumer, il y a 4 notes, il y a 3 rythmes différents, il y a des rondes, une blanche, une seule blanche, et 6 noires en tout. Des rondes, des blanches, des noires, et il y a 4 notes. Il y a une mesure à compter, c'est pas bien compliqué. La première note est la même que la dernière. Ça devrait aller. Si vous avez des doutes, vous revenez en arrière et vous pouvez le faire plusieurs fois. Même pour chauffer, ça c'est pas mal. Ça, pour commencer la journée à l'instrument. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une autre vidéo plus tard pour un autre exercice. Voilà. Et ben, bonne journée à vous. J'espère pouvoir jouer bientôt avec vous. Et puis, bonne journée.